Et bonjour à toutes et à tous les accros de la VR, ici El Rocco de l'équipe de VR 4 Player et j'ai l'immense privilège de vous présenter la preview de Doom 3 VR Edition, développé par ID Software, édité par Bethesda. Alors Doom 3 VR Edition, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tir à la première personne dans un environnement horrifique, c'est le reboot de la licence Doom. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement. Donc déjà, ce dont on peut se rendre compte, c'est que les vidéos, toutes les cinématiques, elles vont être en 2D comme si vous étiez dans une salle de cinéma. C'est un petit peu ce que vous retrouvez sur Hitman 3. Les chargements également sont assez nombreux. Vous avez des chargements de niveau et vous avez également les chargements de la sauvegarde automatique. Là, petit chargement. Moyen chargement. Chargement de la sauvegarde. Voilà. Étoile noire en approche de Mars, 070-63, descente. Alors sur le site de Bethesda, ils nous ont annoncé qu'ils avaient travaillé graphiquement, retravaillé le jeu existant sur PlayStation 4 et sur PC pour la version VR. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Bon, déjà sur les vidéos, je peux vous dire, ayant la version PS4, oui, chef. On va la comparer, cette version VR à la version PS4, c'est très similaire. Il y a peut-être quelques détails en moins, il faut vraiment faire le comparo, mais c'est très très similaire. Après, ce sont des cinématiques en plat, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. La modélisation est vraiment comme l'original. Bon là, on n'a pas assez de recul pour certains, mais c'était exceptionnel à l'époque. Observation d'un point de vue esthétique. Alors, nous avons des mains, nous n'avons pas de bras, nous n'avons pas de corps. Bon, un brassard sur le poignet gauche qui nous indique la vie, l'armure et la lampe torche que nous n'avons pas pour le moment. Bon, c'est assez simpliste. On est vraiment... D'un point de vue graphique, sur les premiers jeux, on va dire les jeux de 2019, voilà, on est très loin de Farpoint et de Saints and Sinners, même si la charte graphique est différente. Bon, d'un point de vue, c'est surtout la définition, le détail dans les textures, c'est assez simple. Vous voyez, si on se rapproche, il n'y a pas de relief, c'est plat. C'est assez plat quoi, c'est bon, c'est pas pixelisé, c'est lisse, mais voilà, il n'y a pas énormément de relief. Alors, on tâtonne, mais bon, c'est faut le dire, c'est une première impression. Et vous cherchez de l'aide? Allez à la réception. Alors bon, je suis très critique, mais deuxième impression, le personnage là, tel que je le vois, le rapport d'échelle, ça rappelle les premiers jeux sur PSVR, malheureusement. C'est un peu décevant par rapport à ceux qu'on a connus maintenant, les tout derniers jeux VR, notamment Saints Sinners. Pour vous donner une impression, peut-être que vous ne le voyez pas sur l'écran, mais on a l'impression d'être sur le jeu Here's Eli et que les personnages en fait sont tout petits. Donc ils ont une petite tête, des petits bras, des petites jambes. Voilà, c'est un. C'est un petit peu comme le film, pour ceux qui connaissent l'aventure intérieure, quand les méchants de l'histoire vont dans l'appareil qui les rétrécit, mais qui les rend un petit peu nains. Ils sont proportionnés, mais petits. Bienvenue à Mars City, le premier centre de recherche de l'Union Aérospatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception. Ouais, une petite mine quand même. Petite mine. Il y en a qui ont besoin de soleil. Alors les écrans, alors oui, la particularité de Doom 3, c'était que vous avez la possibilité de vraiment interagir sur tous les ordinateurs, enfin la plupart, les terminaux, les ordinateurs, et appuyer sur les rubriques, vraiment sélectionner le fichier, comme là, vous sélectionnez avec le triangle, alors vous pointez, quand vous vous approchez, la main, voilà, il y a le doigt gauche
qui pointe, la main gauche qui pointe, et vous sélectionnez avec triangle. Ça va. C'est plutôt bien foutu. Hop. Ouh. Ouh. De la part du UAC, bienvenue sur Mars. Bon, l'immersion est quand même vraiment pas mal. Attention, directeur Banks, veuillez vous rendre à l'administration centrale. On va dire qu'il y a beaucoup de détails, il faut pas se rapprocher, quoi. Parce que là, on voit vraiment que bah, tout est plat, il n'y a pas de relief. Mais de loin, ça reste quand même très très correct. Xisbaz. Et Begazis, vas-y. Ouh! Ouh! Ah oui! C'est plus qu'un RPS là! Aïe aïe aïe! On vous avait dit, monsieur, de pas vous gratter! On vous l'avait dit! Bienvenue au donjon, Marine, l'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ok, prenez votre équipement. Ouh. Maintenant, vous êtes prêt au combat. Laissez-moi faire un test radio. Excellent. Bon signal. Plutôt cool. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Oui. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gambader, non? Ok, vous êtes paré. Okay. Ah oui, souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas, alors ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. Ouh. Monsieur? Ah, bon. Attends, on est la tête. Voilà. Est-ce que je récupère quelque chose? Écoute, bonhomme, j'ai fait ça mille fois. C'est moi qui t'oublie. Pourquoi tu bouges pas tes fesses? Oh, ici, pour le faire toi-même. La lampe torche. Alors, la lampe torche. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on est vraiment dans le Doom, Doom 3 de l'époque. Là, l'immersion est excellente. C'est envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai là. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés anormaux. Il y a un problème. Impossible de garder le contrôle de ces niveaux. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh. Ah. Sergent Kelly a toutes les unités vives au QG des Marines et attend. Ah, où êtes-vous? Ah, je vois plus rien. Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons ici. Oh, ouais. Ok. Système d'alimentation principaux HL dans les niveaux inférieurs. Système auxiliaire et assistance médicale, ok. Mon coup de guerre civil, c'est un vrai merdier. Poste de commandement, on tente une zone de sécurité.
les jumpscares sont très 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 efficaces. Ah là on est dans le vif du sujet, là ça commence vraiment à être sympa. Attendez, on va essayer un truc. Allez, viens, gamin. Ah merde. Oh, l'efficacité. Oh, esquive. Purée. Alors, pas évident le corps à corps. Reste par terre. Avancez prudemment, toujours avancez prudemment. Voyez, vraiment tous les petits recoins. Dépêche-toi. Oh purée. Voilà. Elles sont tenaces hein. Ou alors faut peut-être que j'apprenne à viser. Oh cette flip. Merci. Moi je me casse. Oh bah écoute de rien. Petite armure. Oh, faites sortir tout le monde. Le flic, le flic. Ah. Non. Bah là, on voit les limites de l'intelligence artificielle, je crois. Et il me semble qu'on... Voilà. Il me semblait bien. Bon, on va aller dire bonjour. Ouais. Ça commence à venir. Ah ouais. Là, on commence à se régaler. C'est vraiment dommage ces séquences en deux dimensions. C'est vraiment très dommage. Ça coupe un peu. Voilà. Bon, on peut pas passer par là. Putain, j'ai le mauvais réflexe de sauter. C'est ça. Oh, petite gougoute. Oh, attendez. Quoi? Oh putain. Et le ce jeu vous met vraiment la pression. Ce jeu vous met vraiment la pression. Le son est vraiment très important, très très important. Entre ceux qui gueulent dans la radio, aidez-moi, les monstres, les râles des zombies, franchement c'est vraiment une très très bonne ambiance, voilà. Je pense que vraiment ce qui lui dessert à ce Doom, c'est les premières minutes en fait. Où on se rend compte plus des défauts qu'autre chose, et là... Oh. Et là on se régale. On va se couvrir. Ah oui. Il y a différence, il ouais. Y a du bleu, du blanc, ouais. Alors quand on s'arrête de courir, le petit personnage, c'est l'endurance, ça. Et c'est exactement pareil avec la lampe torche. Quand c'est grisé, ça s'épuise, et une fois que c'est redevenu bleu, vous pouvez galoper et éclairer. Nickel. Oups. Oh, putain.
Ah non, mais... Ah, c'est vraiment un bonheur. Sergent Kelly à toutes les unités. De retourner aux sources. Je répète, identification négative de la saison. On le sait, chez les bonus. Si vous n'avez pas tout déterminé pour retourner au QG, rassemblez des munitions, établissez une place forte et tenez-les à distance. Ouh, c'est sale. Ouais. Merci Bethesda de nous donner l'occasion de refaire ce jeu en réalité virtuelle. Ouf. Ah. Ah voilà. Tout de suite mieux. Accès. Ah, c'est la porte qui est juste à côté. Il me semble. Oh, putain. Eh oui, en réalité virtuelle, c'est ça qui est cool. Vous pouvez vous pencher et dégager les angles. Repliez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. Et je veux ça, moi. Ah, il n'y aurait pas moyen. Attendez. Attendez, petit retour en arrière. Ah. Attendez. Accès niveau Mars City. Contrôle des grues. Zone. D'accord. Ah. Oh, po. Eh, on n'est pas des gourdasses hein, chez VR for Player. Hein. Oh. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce... Bon, la modélisation dans l'ensemble, voilà, c'est ce que je disais, c'est pas de l'exceptionnel, mais c'est quand même très bien. On va dire que l'ensemble est cohérent, c'est rapide, c'est fluide, c'est immersif, c'est... Mais laisse-moi parler, tranquille. C'est vraiment tout ce qu'on cherche en réalité virtuelle. Ah là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Eh non mais, on entend mais la respiration à droite à gauche, c'est horrible. Bon. Oui, je suis là. Pas drôle. Oh. Mais clic. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que le pari est largement gagné. Le cahier des charges est rempli pour Bethesda. C'est vraiment un des jeux en réalité virtuelle qu'il faut absolument posséder dans sa ludothèque. Alors, ce jeu est disponible, alors est jouable, je veux dire, à la manette, mais également, et là ça nous intéresse, à l'end controller, et vous pouvez paramétrer l'un et l'autre. Alors, dans les commandes, vous avez les options de la manette, donc si vous êtes droitier, gaucher, activez les vibrations et la sensibilité sur l'axe X et Y. Les options de jeu, alors voilà, là ça va être au goût de chacun, c'est très très rudimentaire, très très simple. Vous avez la sauvegarde automatique, le changement d'arme automatique, alors moi j'aime bien avoir un petit peu le contrôle, surtout en VR, sur ce que je fais, sur ce que j'ai envie de faire, et que ça ne se fasse pas automatiquement et avoir des surprises en pleine action. Donc, vous avez le changement d'arme, activé ou désactivé, le rechargement automatique, ça c'est pareil, ça se fera avec le bouton carré, un petit peu comme Farpoint, pour ceux qui connaissent.
Et vous avez l'aide à la visée. Alors en VR, elle est complètement inutile. Hein. Et l'ombre de la lampe torche, je ne sais pas encore ce que c'est. On le découvrira plus tard. Donc, les options système, c'est la luminosité et le volume. Alors, le volume est déjà très très bien à ce niveau-là. Et la luminosité, bah, vous avez beau la mettre à fond, les parties sombres resteront sombres. Et c'est très très bien, surtout pour cet épisode de Doom. Les options VR, vous avez la main dominante. Donc, si vous êtes droitier ou gaucher, franchement, ils ont fait le minimum et on les en remercie. Le pivotement, alors j'ai choisi le pivotement fluide car je suis plus du tout sensible au motion sickness, mais pour ceux qui sont encore sensibles, faites le pivotement brusque et de préférence, bah, vous choisissez hein, si vous voulez tourner la tête sur 90 degrés ou alors par petit segment. Et la vignette, c'est le halo qui permet de limiter le motion sickness, donc vous l'arrêtez ou vous le mettez en marche. Voilà, moi je le mets sur arrêt, les déplacements, les pivotements fluides et la taille du joueur, elle est calculée directement à la caméra, mais vous pouvez l'ajuster. Voilà. Donc, on se dirige vers la campagne. Alors, on va faire une nouvelle partie. Sachant que pour pouvoir y jouer au préalable, il faut vous inscrire sur Bethesda.fr. Donc, il vous faut une adresse mail, un mot de passe. Et vous créez un compte, voilà, pour commencer le jeu. Voilà, vous n'avez pas le choix. Ça se synchronise avec, on va dire, le launcher de Bethesda. Ils pourront à loisir vous envoyer des promotions et énormément de choses dont vous vous foutez complètement. Donc, ce Doom 3, alors la durée de vie, elle est exceptionnelle pour un jeu VR, il faut le souligner. On préconise une quinzaine d'heures minimum. Alors ça c'est pour la campagne solo, mais vous avez également, enfin la campagne Doom 3 de base, mais vous avez également les deux DLC, et ça c'est excellent, qui sont sortis sur PC, Resurrection of Evil et Lost Mission. Donc on est sur du 20h, 25h, voire même plus en fonction de votre niveau. La difficulté, comme d'habitude, voilà. Le mode Bambi, le mode moyen, le mode psychopathe et le mode cauchemar, bah, c'est pour les sadomaso. Et voilà les VR for Players, les amis. Je vais vous laisser ici. C'est ainsi que se termine cette preview. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu et que vous avez eu autant de plaisir à la voir que moi à la faire. En tout cas, même si j'ai été très critique en début de vidéo, ça ne change pas le test global. Voilà, c'est un excellent jeu. On a énormément de plaisir. Bethesda a vraiment marqué le coup. Déjà avec Doom VFR, certes c'est très différent. Ce Doom 3 est très différent, mais il l'est déjà d'un point de vue d'épisode dans la série de Doom. C'est vraiment un bonheur de retrouver. Le jeu est très efficace. Les jumpscares, l'ambiance horrifique. On est vraiment dedans et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche en réalité virtuelle. En tout cas, je vais vous laisser là et je vais me détendre avec mon ami ici présent qui est apparemment très ouvert d'esprit. Donc à très bientôt pour une prochaine preview et peut-être le test de Doom 3 édition VR. Au revoir les petits loups. Pratique pour faire le ménage.